Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Samedi 29 octobre et vlogtober numéro 30. Ça commence à toucher à sa fin. On arrive bientôt au bout. Pardon, je suis en train de faire un petit peu de rangement en même temps, hein, pourquoi pas. Donc on arrive bientôt au bout de ce vlogtober. Je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais m'organiser là sur les 2-3, bah, 2 jours qui viennent, hein, le 30 et le 31. Comme je ne serai pas à la maison pour quand même filmer tout le monde. Bref, tout ceci ne vous intéresse guère, mais il faut moi que j'y pense quand même d'ici demain, ou d'ici ce soir même. Ça serait bien que j'ai pris une décision sur ce que je fais. Mais bon, rassurez-vous, il y aura quelque chose, c'est obligé. C'est obligé. Bah écoutez, encore une bien belle et bien chaude journée d'octobre. C'est incroyable ce mois d'octobre. Mais apparemment, je ne suis plus de ce que j'ai vu la semaine prochaine. On devrait retrouver un temps de saison. Un sweater weather, ça serait pas mal. Un temps idéal pour porter ses tricots. Parce que là, il y a des trucs tricotés, je ne veux pas dire, mais ils attendent d'être portés. Le châle Solaris, c'était pas le bon moment pour le mettre, hein, vraiment. Les chaussettes tricotées, même encore un petit peu chaud, quoi. Donc, voilà. Donc, encore une super belle journée. On a déposé notre petite dernière qui avait, elle aussi, un atelier aujourd'hui à la bibliothèque. Encore un atelier super, super bien organisé et très très chouette qui lui a beaucoup plu. Donc je le redis. Mais c'est vrai que bah voilà, souvent on cherche des activités gratuites à faire avec nos enfants. Enfin gratuites ou pas gratuites d'ailleurs. Hein, mais en tout cas là en l'occurrence ce sont des ateliers qui sont gratuits. La seule chose c'est que les enfants doivent être inscrits. En tant que, enfin, doivent être inscrits à la médiathèque, mais l'abonnement est lui-même gratuit. Si je, ben, c'est pas si je ne m'abuse, pour les enfants, il est gratuit. J'ai peur de dire des bêtises. Pour les enfants, il est gratuit. Pour les adultes, il doit être gratuit jusqu'à un certain nombre de documents et si vous voulez emprunter plus, il est payant parce que nous, on n'habite pas Metz. Je crois que ça doit être ça, le truc. Mais je dois dire une grosse bêtise, peut-être. Donc, voilà. Ne vous fiez pas à ce que je vous raconte. Je sais que pour mes enfants, c'est gratuit, en tout cas, l'abonnement. Et qu'après, ils peuvent participer aux ateliers. Et des ateliers de grande qualité. Enfin, franchement, voilà. Carton plein, les trois ont participé à des activités différentes et les trois, ils ont adoré. Et vous avez été plusieurs à me demander comment était le spectacle hier. C'était topissime. C'est dommage, j'ai pas pensé à ramener la petite publicité. Le spectacle s'appelle Pirate. Et en fait, donc là, il était en... Alors, c'est un spectacle monté par une personne en particulier, mais qui jouaient avec l'Orchestre Symphonique de Metz. Spécial jeune public, donc c'est, je trouve, parfait pour une première approche, première découverte de qu'est-ce qu'un orchestre symphonique. Voilà, c'était une salle qui était quand même remplie d'enfants, donc on était un peu plus tolérant sur le... Enfin, on était tolérant. Les enfants pouvaient un petit peu bouger, faire un petit peu de bruit, etc. sans que ça agace les personnes autour, puisque c'est un spectacle pour les enfants. Alors que amener des enfants dans un spectacle donc, avec un orchestre où il faut vraiment réussir à, pendant le temps du spectacle, être bien calme, pas trop bouger pour ne pas déranger les gens autour, ça peut être plus compliqué. Je parle d'expérience. voilà, donc... En tout cas, là, c'est du coup parfait pour une première approche.
Et les filles, elles ont adoré. Et moi aussi, d'ailleurs, du reste. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, parce que c'était très drôle. C'est toujours tellement chouette de voir l'orchestre jouer. Et puis de se rendre compte à quel point les instruments peuvent faire du bruit quand tout l'orchestre joue ensemble, comme ça peut être impressionnant. Enfin, voilà. Mais les filles, c'était trop bien pour elles. Et puis, bah, moi, j'ai passé un très bon moment aussi. Voilà, donc, parlons tricot. Parlons tricot un petit peu. Regardez ce que j'ai terminé. Mes chaussettes pour le Halloween de Matsusaigi et Mimi. Elles sont terminées. J'ai fait une petite séance photo spéciale sorcière. C'est d'où ma tenue encore un petit peu, un petit peu particulière. Mon fils m'a dit on va à un enterrement aujourd'hui quand il m'a vu ce matin. Et en fait, non, il a fallu que j'explique que c'était pour une petite mise en scène chaussette. Donc voilà. Si vous avez envie de voir ce que ça donne les photos, allez voir sur mon compte Instagram. Parce que je vous en ai parlé plusieurs fois pendant ce vlogtober. J'avais de grandes idées sur ces photos. Ça rend plutôt bien. Pas aussi bien que je l'aurais espéré, mais voilà. J'ai pas de matériel professionnel pour l'instant. Donc on fait comme on peut. Mais bon, j'étais contente quand même. Je suis très contente d'avoir terminé ces petites chaussettes dans les temps. Comme je vous le disais. Je pense que je ne vais pas les garder. Voilà, elles sont très belles, mais j'ai déjà vraiment bien suffisamment de chaussettes à la maison. Donc, je suis en train de réfléchir, mais je me demande si je ne vais pas vous faire un petit tirage au sort spécial fin de Vlogtober pour vous récompenser. Non, c'est pas ça. Pour vous remonter le moral, plutôt. Parce que vous êtes beaucoup à me dire que du coup, ça va être un peu dur pour vous le mois de novembre, maintenant que tous les Vlogtober seront finis. Donc voilà. D'un autre côté, ça va me permettre de reprendre les podcasts classiques. Parce que là, il y a des choses à vous montrer. Hein. Je peux autant vous dire que j'aurai des choses à raconter. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je ferai un petit tirage au sort. Pointure 38, même petit 39, je pense que ça pourrait aller sans problème. La tige est assez haute, elles sont. J'avais fait 56 mailles en aiguille 2,5. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça peut aller quand même à pas mal de pieds. Mais on en reparlera quand j'aurai vraiment décidé comment vous proposer ça, quel type de forme ça va prendre. Donc voilà. Mes petites chaussettes, donc je rappelle, c'est de la Lana Grossa qualité Ashbury. Le coloris, je ne sais plus, je n'ai pas l'étiquette, zut. Et les contrastants, Worcestershire Spinner, Signature 4ply. En coloris Cayenne Pepper. Voilà, ça par contre, je sais. Et voilà, petite chaussette terminée. Tiens, on m'a demandé la marque de mes bloqueurs de chaussettes. Ce sont donc des Aupris. Et je les ai achetés chez Sandrine, la mercerie Regraff à Nancy. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, je crois pas. Donc voilà. Ils sont peut-être un tout petit peu petits pour mes pieds. Peut-être il me faudrait. Il me semble. Alors, c'est un peu le problème, c'est que je suis entre deux pointures. Il me semble que ceux-là, c'était plus du 37. 36, 37, et puis il doit y avoir une taille au-dessus. Donc, voilà. Mais enfin, les chaussettes ne sont pas lavées pour l'instant. Donc, ça, c'est le prochain truc que je vais faire. Je ne les ai portées que pour la séance photo, mais de toute façon, là, je vais les laver. Mais je vais pas les bloquer, quoi. Je vais les laver, je les ferai sécher sur le bloqueur quand même. Voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je termine les chaussettes, je monte un nouveau projet. Et donc, oh bah alors là, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. J'ai monté la première mitaine que je vais réaliser pour ma fille. On s'était posé dans un café tout à l'heure pendant que la petite elle était à son atelier. On s'est posé dans un café avec mon chéri et où j'ai d'ailleurs bu un pumpkin latte. Alors c'est le Fox Café à Metz. Le pumpkin latte, il était excellent. J'avais pris un carrot cake.
On aurait pu manger à trois dessus, hein. Je ne l'ai pas fini. Heureusement que mon mari était là, mais c'est lui qui a terminé, mais pareil, hein, c'était un peu gros pour lui aussi. Donc voilà, je vais en base prendre le... Enfin, j'ai acheté le patron des Everything November Mitts. Et je vais faire des petites mitaines à rayures, toutes simples. J'ai pas tout à fait suivi le patron puisque je commence par des... En fait, le patron, j'ai même pas regardé vraiment bien. Il me semble que ce sont des côtes 3-1, je pense, ou des 2-2, mais bon, 3-1, je dirais. Et c'est un patron qui est tricoté avec des restes de laine. Enfin, il est présenté comme ça. Et moi, j'avais envie de faire plutôt un poignet de mitaines différent du reste de la mitaine. Et pareil pour la petite bande de... Comment est-ce qu'on peut appeler cette petite bande de finition au niveau des doigts, différente aussi du reste de la mitaine. Donc, je vais commencer par des côtes 1-1 torse. Je vais ensuite suivre le patron. Pour, je pense que c'est des côtes 3-1, et donc c'est là que je vais faire mes rayures. Et après, je referai quelques rangs de côtes 1-1 torse pour finir le bout des doigts. Donc j'ai commencé avec ce premier coloris qui est de la Malabrigo Soc, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une laine à chaussettes. Et le coloris contrastant, ça sera ce super coloris de chez Artemis Yarn, le coloris Oracle. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Coloris Oracle, et c'était sur une base High Twist Socks, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, pareil, j'ai pas du tout mes étiquettes, donc j'ai des étiquettes, mais d'un autre projet. Ça ne sert donc à rien du tout. Voilà, donc je me suis monté ça, comme ça sera très facile à tricoter. Ça sera le petit projet de ce week-end rando détente. J'ai bien hâte. Je vous montre un dernier truc. Hier soir, j'ai vu mes copinettes d'amour. Nous sommes allées boire un petit coup et manger ensemble pour enfin fêter mon anniversaire ensemble. Parce qu'on ne s'était pas vu au mois d'octobre, on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver tout ensemble. Enfin, presque tout ensemble, parce qu'il y avait des absentes ou des personnes éloignées, donc c'est pas toujours facile de se voir tout ensemble. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu mes copines et ma petite Julie, je vous montrerai que ça, parce que le reste, c'est pas du contenu laine. Ma petite copinette Julie m'a ramené des trésors, puisqu'elle était au Japon. Il y a 2 semaines maintenant, elle était au Japon et elle m'a ramené de la Noro. Alors ça, c'est une laine à chaussettes. C'est la Silk Garden Sock Solo. Et c'est une 40% laine, 25% soie, 25% polyamide et 10% mohair. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme merveille avec cette laine. Alors, du coup, on en a discuté parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui sortent en ce moment avec de la spin cycle. Et notamment des pulls où il y a de la spin cycle dans le yoke. Et c'est un rendu, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas. Ça me plaît quand je le vois, mais est-ce que je le porterai? Je ne sais pas. Donc, je vais encore poursuivre mes recherches pour voir, parce que j'ai l'impression que cette laine ressemblerait un peu à la spin cycle. Elle aurait tendance à avoir ce côté un petit peu, on dirait filet main. Il me semble que la spin cycle n'est pas filet main non plus d'ailleurs, mais voilà, un peu irrégulière dans les couleurs, un peu irrégulière dans la façon dont le fil est retordu, enfin. Voilà. Donc je vais quand même étudier la chose pour voir. Bon, si je ne trouve pas modèle à ma convenance, eh ben ça partira dans des petites chaussettes. Mais sinon, pourquoi pas dans un yoke de pull vraiment à voir. Et puis j'ai aussi cette petite chose-là. Skicor.
Skycore, Skigarn. Bon, tout est en japonais, hein, je vais avoir vraiment du mal à vous dire. Écoutez, c'est du 50-50. Et c'est marrant, c'est une petite pelote de 40 grammes. C'est rigolo, chez nous, on n'a pas 40 grammes, quoi. On a 50 ou on a 25 ou on a... Oh non, plutôt 20 d'ailleurs. 20, 50, 100, mais 40, non, on n'a pas. Et voilà, donc je ne peux pas vraiment vous dire quelle est la composition, si ce n'est que c'est une 50-50. J'imagine, parce qu'elle a demandé de la laine à chaussettes, donc j'imagine que ça doit être une 50 laine et 50 peut-être polyamide. Voilà, et qui sera idéal pour des petits contrastants de chaussettes. Merci encore, ma Julie. J'ai eu plein d'autres très très beaux cadeaux. Mais voilà, je vais pas tout vous déballer ici. D'autant plus que il faut que j'aille faire les valises. Donc voilà, je ne pense pas du coup pouvoir revenir plus tard. Je vais être raisonnable, valise, préparatif et organisation. Savoir comment je vais pouvoir gérer les vlogs sur ces 2 derniers jours. Parce que je vais pas vous quitter comme ça, quand même. Ça n'irait pas du tout. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis donc du coup à demain. Je m'y engage. À demain. Et puis prenez bien soin de vous en attendant.